Voilà, dites-moi si ça va. Normalement, on est mieux là. Au niveau du son, normalement, on est mieux. Donc, Codeline, t'as déjà choisi, il me faut un jeu pourri. Enfin, il me faut un jeu de sport rapide. Attends, on va enchaîner deux jeux de sport rapide. C'est pas grave. Parce que Codeline, ouais, tu m'avais choisi le délicieux. Un petit track and field. Ouais, mais track and field, c'est. Ouais, non, remarque. Remarque. Une deuxième partie sur Sive. Allez, le premier track and field donc. C'est validé. Bah, apparemment, ils ont racheté les droits de la série et ils la passent en boucle. Ils la passent en boucle pour la sortie du nouveau film. Ok, bon, mais c'est validé pour track and field. Validé. Donc ça va aller vite NHL parce qu'on va juste faire les playoffs. On va se faire un playoff, on va tout péter et ce sera validé. Alors du coup track and field. Juste je m'occupe de l'overlay très rapidement. Comme d'hab. Change pas une équipe qui gagne. C'est le bordel. Donc. Ah, parce qu'il y a ESPN International Track and Field. Alors attends, il me faut le titre exact. Parce que. Ah attends, tiens, j'en profite pour finir ça. C'était donc on est tombé sur du Despot sur 20. Très bien. Belles ambiances. C'était tendu, mais c'est Despot sur 20. Oh, c'est du beau jeu. C'est du très beau jeu, ça. C'est du Despot sur 20. Parce qu'on a, alors je te montre, enfin, je t'explique vite fait. Deux têtes. Ah non, il n'y a pas ESPN. Non, c'est bon. Il n'y a pas ESPN Track and Field. Je dis des conneries. RST Track and Field, que je regarde vite fait ce qu'on a comme track. Il n'y a pas Track and Field. Ah, c'est International Track and Field, alors. On va aller à I. Voilà, International Track and Field. Le premier, donc, International Track and Field. Codeine, je le note de suite. Le premier Track and Field. Et là, on est sur NHL, machin chose. Il ou NHL. C'est là. NHL, Hyperion. Hyperion noir qui nous a quitté trop tôt, bien évidemment. Gagner les playoffs. Et voilà. On est le 20/03/2017. Tac, ça on le remet à zéro. Désolé. Je rappelle le chat pendant 3 secondes. Comme d'hab, façon toujours les. Le setup est un petit peu long. Je sais pas comment je pourrais faire pour le. Pour améliorer un petit peu cette histoire de setup, on verra. Donc, International Track and Field. Damn, I'm good. Et merci pour le host ailleurs, des bisous. Laissez-moi 2 secondes et j'arrive. Me voilà. Et merci pour le host Naru Snake également, des bisous. Olympic Game, je crois que je l'ai en CD, Olympic Game. C'est une merde infâme. Il va avoir un film low cost. Ouais, non, apparemment, le film est pas low cost, Kazu. Il a l'air vraiment pas mal, quoi. Le film a l'air quand même assez sympa. Alors, juste... il me semble qu'il me... Ah oui, voilà. Évidemment. Copier... Oh le bordel. Coller, voilà. Et donc, International Track and Field. Putain, ça va prendre de la place cette merde.
Et choisi par Codéine. Bravo Codéine, des bisous. Il est trop fort le jeu encore ou pas? Question savante. La savante question, est-ce que le jeu est trop fort? Il en faut des savantes questions, évidemment. Une sauterelle sur une moto. Même pas, c'est des fruits. Non, Kamen Rider, si, c'est un insecte. C'est un insecte. Le son est bon. Ok, mais c'est parfait. Je trouve que le son du jeu est un peu trop fort, mais bon. Peu importe. Faut juste que je fasse... oui, il est secours. Il est là. Il est là, typisme. Actualisé, voilà. Ok, c'est noir. Noir, c'est concept. Oh, double concept. Au secours. Au secours, il n'y a rien qui marche. À l'aide. Appelez la police. Appelez la police, bordel. Cette grosse ambiance. Allez, on s'ambiance. Il y a moult Kamen Rider. Eh oui. Avec des gars qui se transforment en fruits. Ah putain, je savais pas quoi. Oh. Yo Narrow Snake, comment on va? Bon, mais ne bougez pas parce qu'à mon avis, on va revoter dans pas longtemps. Allez, NHL 97, c'est parti. Ouais, ouais, ça va, écoute, ça avance bien. Donc, nouveau playoff. On prend évidemment Détroit, ils ont l'air sereins quand même. Ils ont l'air solides, Détroit. Vingtième en défense. Premier en attaque, mais 20e en défense. En 97, c'était Détroit, l'équipe de ouf. J'ai du mal à le croire. Ils sont premiers partout, quoi. Troisième en attaque, deuxième en power play. Comment tu fais pour voter maintenant? Ah, il suffit d'écrire ne serait-ce qu'une lettre dans le chat. Quand je lance la loterie, et c'est bon. Regarde Dakoren. L'équipe de canards WC. J'avais la casquette avec les canards et les deux crosses là. Ouais, correctly record. Mais bon, il n'y a pas les options. Bon, ce sera le match test. Ce sera. Ah, voilà. Régular. 5 minutes, auto, user. Skill level, rookie. Non, faut en revoter à la fin du NHL, là, quand je gagne. Mais je peux faire gagner des 3 si j'ai envie. Rappelons-nous quand on avait envie de faire gagner une équipe. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que ça va pas être très long. J'espère qu'il va pas avoir 40 matchs. Et voilà. Le but, c'est quand même de gagner une compétition prestigieuse. Et quoi de plus prestigieux que des playoffs? Il n'y a pas le Rebel Assault 2. Alors regarde peut-être à Star Wars Rebel Assault 2 ou alors à R Rebel Assault 2, je sais pas.
Mais s'il y est pas, ouais, faudra que je le rajoute carrément. Oh, mais ils ont tous des têtes de vainqueur, mais on les voit jamais. Good evening. This is John Davidson, and welcome to the Stanley Cup playoffs. We have a great conference matchup tonight, and no one is surprised to find these two teams facing each other in the playoffs. Both teams are fired up, so you can expect some great hockey tonight. The players are on the ice, so let's go to the action. Il est beau, lui. Ah, lui, c'est mon préféré. La zig de Ace of Base. C'est un petit, c'est la base. C'est la base. Oh, il me plaît, lui. Il me plaît. Bonjour, j'ai une stache mou. Et j'ai les cheveux qui commencent à partir de là. C'est normal. Pour passer à la télé, à l'époque, il fallait avoir le moins de cheveux possible. Trop de cheveux, c'était disqualifiant. Faut le savoir, ça. C'est pas tout à fait une légende, ça. Yard of the brave. Oh, Lord, can you see my destiny land? Fedorov. Fedorov. Kula, mon petit frère. Oh, je l'ai. Eh oui. Voilà. La passe. Comment on tire? Attends. Comment... Donne-moi ça. Il y a moyen. Ah, c'est... Eh, c'est pas mal. Ça se joue pas mal. Hein. Trop. Défense. Défense. Et voilà, on prend un pion. On prend un pion, putain. Allez, cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. 93 représente. Aujourd'hui, tu es trop intelligent, tu passes plus à la télé. Voilà, c'est ça. Voilà, bah, c'est à peu près ça, quoi. T'auras une AK. Oh, pas mal. Carré, c'est pour mettre des cachous ou c'est rond? Putain, je sais pas. Défends. Oh! Il veut se battre, lui? Y'a quoi? Y'a pénalty? Putain, mais faut vraiment que je sois au corps à corps ou quoi? Ça se passe comment? C'est au premier tour. Ah non, il faut que je gagne. Hein. Il faut que je gagne. Allez, ramasse ça. Combat d'infirme. Combat d'infirme. Et voilà. Égalisation. Oh, la foule est en délire. Ah, l'ambiance de merde. J'ai aucune ambiance dans le jeu. Tu vises le podium ou la première place seulement? Première place. Ah, victoire. Là, c'est victoire. Là, c'est victoire sur victoire. Faut que je gagne les playoffs. C'est mon défi. Allez, viens là, bordel. Oh, j'ai failli me mettre un autopion. Ouais, casse-toi, ouais, Kojak. Ouais. Oh, j'aurais pu me foutre sur la gueule. Oh, le seul intérêt du jeu, je l'ai biaisé. Nul. Qui a la balle? Tue-le! Voilà, passe par là. Par là. Quoi? C'est ridicule, mais pas gênant. Quoi, penalty? J'ai marqué. Quelle bande d'enculés. Oh, les touristes, j'ai marqué un but, quoi. J'ai envie de les tuer. J'ai envie de les tuer, quoi. Tous. Quoi? Qui est face-off? Face-off. Oh, remarque, ça me va bien. Ça me fait plaisir. Ah, on y croit. On y croit, bordel.
Le son est pas trop faible du coup. Putain, j'ai l'impression que le son était super fort tout à l'heure et que maintenant c'est une blague. Salut Sampo. Ah putain, il a repris la balle. Oh oui. Oh oui. Oh putain, dégoûté. Oh le dégoût. Pourquoi il joue pas? Pourquoi il joue pas, c'est sa camerde. Et la foule est en délire. Le son est bon? Ok. Parfait. Parce que les réglages sur XSplit, c'est un peu de la merde, quoi. Putain, quand tu penses que OBS c'est gratuit, je trouve ça tellement mieux que XSplit. Alors que XSplit, pour l'avoir en entier, faut payer, je sais plus, 180 balles pour l'avoir à l'année. Allez, Sicarelli! Sicarelli! Ah, je passe par là. Tue-le! Tue-les tous! Voilà! Tue-les tous! Voilà, mais c'est le minimum, ça. Et là encore, tu vois, c'était limite une passe. C'était une passe. Non, mais tue-le, tue-le. Oh là là, ah, je la sens bien. Et but. C'est Rocket League. Ah oui, on sent les années qui ont passé, quoi. Ah, mais visuellement, ça pique. Visuellement, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur des mots, ça pique. S'il marque, je m'énerve. Putain, mais c'est con, tu marques, quoi. Voilà, le face-off. Moi, j'aime bien OBS. Enfin, j'aime bien. Je me suis habitué au OBS en fait. Je trouve qu'il y a une meilleure qualité sonore, une meilleure qualité visuelle pour... Ah putain, va chier. Oh l'enculé, il a marqué. L'enculé des bois. Ah, faut que je remarque vite. Tue-le! Mais tuez-le! Oh l'enfoiré, quoi. Deuxième mi-temps? Welcome back. What a shootout we have going here. The offenses are in high gear tonight. Oh! Prends mon bigorneau! Prends mon bigorneau! Coaches would like the defense to tighten up and take some pressure off the goalies. It looks like the players are back on the ice. Ah, là, c'est là, ici. Prends mon bigorneau! Ah, petit. Allez, résume game. Ça va être chaud. Ça va être chaud. C'est en carton, mais non, non, c'est en mi-temps. Carton, c'est le basket. Ah, ils passent tous par les angles. En fait, faut que je passe par les angles, genre là. Allez, tous dessus, là, carré. Putain, moi, je martèle le carré depuis tout à l'heure, là. Carré. Carré, les gars, carré. Et je joue en facile, hein. Je joue en facile. On va voter après-demain, c'est le mec, c'est vraiment mauvais, quoi. Quoi que je dis ça, il y a des chances qu'on vote qu'après-demain. Putain, mais Marc, la con de toi. Or, faut que je fasse un truc genre, je l'amène d'un côté, passe-tir, comme ça, l'autre côté est ouvert. On n'y pense jamais à ça.
Ti-ti-ti-ti-ti. Oh, when the Saints go marching in. Allez. Voilà, face off. Face off. Et toi, tu dégages en plus. Abruti, va. Je suis très déçu. Je suis très déçu. Quoi? Viens là, toi. Voilà. Coup de pied retourné. Coup de pied ciseau. Paf. Salut Maxime. Bienvenue Arc, un français. Eh oui. Tu t'attendais à quoi, ma douce? Ça t'attendait à un Québécois, là? C'est passé vraiment Québécois, jouaient vraiment tous la NHL comme des fous, comme des bigorneaux sauvages, là. Nom d'une poutine, c'est encore un but. J'ai mis 8000 goals dans la face, là, c'est pas pire, hein. Hey, c'était-tu de Saint-Laurent, Maxime? Sois le bienvenu, des bisous. C'est en tiers-temps, bah oui. Pourquoi faire comme tout le monde? Après, si tu veux gagner, tu changes d'équipe. Ouais, mais non, mais à un moment donné, il faut se respecter un minimum, quoi. Bienvenue sur le marathon le plus cinglé du rétro gaming francophone. Oh, les belles ambiances. Tue-le, bordel. Foiré. Oh, ça passe. Mais non, mais j'étais bon, là. Salaud. Ah, merde. J'essaye un peu, là, de faire les techniques. Viens là, toi. Viens là. Sac à merde. Shoot. Très bien. Alors, voilà, petite esquive, petite enjambée. Dommage. Faut pas qu'il marque. Tuez-le, bordel. Tuez-le. Et voilà, dans mon cul. Up my ass, groovy. Allez, tout en souplesse. Pousse-toi. Vite. Je peux mettre une courte vidéo. Ouais, faut qu'un modo te mette un permis. Putain, je vais perdre mon premier match. Vite. Oh la race. Tu vas à l'arrière des cages et tu soulèves un peu. Les techniques d'enculé, quoi. J'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, de toute façon, je pense que j'ai perdu. Je pourrais pas marquer 2 buts en 1 minute, quoi. J'ai déjà du mal à marquer 2 en tout le match. Faute! D'accord. Le tir de hockey le plus puissant du monde. Oh, ça va être violent, ça. Oh, ça doit être violent. Welcome back. What a shootout we have going here. The offenses are in high gear tonight. We've seen a... Ouais, tais-toi. Il m'énerve, ça y est, quoi. Il m'énerve déjà, quoi. 4 à 2, putain, mais je suis sûr qu'il y a des belles techniques pour marquer des buts faciles. Oh oui. Une foule en délire.
lancer des bigorneaux. Merde, je regardais un truc. Ah mais c'est bon. Oh, j'ai gagné la balle, j'ai rien foutu. Dommage vu que ça... Ah, c'est un fake. Bah, je crois que tirer mi-distance, c'est pas mal. C'est un peu les Zidane. En fait, il faut avoir des Zizou dans l'équipe. Faut avoir une armée de Zidane. Allez, Zizou. C'est lui, là. C'est Zizou. Non, faute. Défonce-lui sa tronche. Salaud. Tue-le. Tue-le. Tue-le, bordel. Tu peux pas soulever un... J'ai pas vu. Je regarde la vidéo après, ouais. Ça a l'air d'être complètement n'importe quoi, j'aime beaucoup. J'aime bien les trucs what the fuck. Allez. Faut que je marque. Putain, mais tire pas sur le goal. Sois malin. Ah, on va faire que comme ça. On va faire que shooter jusqu'à ce que ça rentre. Allez, vite. Au film Les Petits Champions, je connais pas. Je ne connais pas ce film maudit. Qui a fait quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait ce crétin? Pourquoi il y a faute? Pourquoi il y a faute? Oh, il s'est mangé! Il a fait un espèce de rebond. C'est le rebelle qui tire comme un bourrin. Il est parti. J'ai pas vu. Les Petits Champions s'appellent. Ok, je regarderai. Mais tue-le! Le laisse pas passer, bordel, tue-le! Tue-le! J'ai demandé au gardien de te laisser passer. Putain, c'est clair, ça c'est la bonne ambiance. Putain, il m'a piqué la balle. Il m'a piqué la balle, tuez-le! Ça a l'air d'être assez optimisé de tirer comme ça à mi-distance. Faut juste que je prenne pas un pion. Là, à peu près à partir de là. Boum! Tuez-le! Putain, y'a pas une touche pour leur dire tous dessus, tuez-le! Voilà, laisse pas passer, tu le tues, point final! Tue-le! Le jeu d'un... T'sais, le jeu qui fait augmenter ton agressivité de 500%. Codéine, et oui, non, pas les liens, bordel, pas les liens, on l'a dit. Les liens, bordel. Bon, est-ce que je vais réussir à marquer un point? Au moins, que j'égalise. En fait, faut pas prendre de but, il faut prier pour en marquer, quoi. Ouais, elle est pas très efficace du tout. Putain, ça craint. Ça craint à mort. Je pense qu'il faut vraiment que je me rapproche un max du goal. Et que je fasse un tir mi-puissant, peut-être. On va le tester comme ça. Ouah, putain, mais c'était ouvert. Moi, j'aurais marqué. Même moi, je sais pas, j'aurais marqué, quoi. Bisous, Darkness, des bisous. Bisous, Darkness, des bisous. Pourquoi pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Icing.
Bonne nuit et à bientôt, Darkness. Merde. Tuez-le. Tuez-les. Ça se paye, ça. Tout ça se paye, évidemment. Décède. Voilà. Sac à merde. Ah, putain, mais non. En fait, c'est du bol. Ce jeu, c'est du bol. C'est du foutage de gueule. De toute façon, je vais tous les tuer les uns après les autres. J'ai inventé un nouveau type de hockey. Oh, mais on a perdu. Here comes a new challenger. Et merci Angel Ricky pour le follow. Des bisous. Tu contribues à rendre le monde meilleur. Et ça, c'est beau. Désolé de t'accueillir sur un jeu de hockey. En tout cas, bienvenue sur le marathon le plus déjanté du rétro gaming francophone. Ça, c'est beau. For the losers, the season is over, and they will have to try to regroup for next season. For the winners, the games only get harder from here. We'll see you next time with NHL Hockey on EA Sports. Le hockey sur cadavre. Bon. Ça va être beau. New playoff. On va prendre les Canadiens. C'est toujours les meilleurs. Ils sont ces coquins de Canadiens. Ah voilà, Toronto. On va prendre Toronto. On va prendre Toronto. Toronto, c'est les belles Indiens. J'ai confiance, moi, en tout cas. Dommage qu'il n'y ait pas les Canailles de Montréal. Mais bon, c'est déjà pas mal. Juste regarder un truc sur le PC. Ok. Dans un monde où EA Game a sa propre chaîne télé. Ouais, c'est ça. Ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit. Contre Chicago. Goalies auto, ils auraient on. Off, voilà. Pas de faute. On joue. Line change on, fighting on. Rookie. Allez, on est bon. Chicago. Normalement, ça s'est pas joué, Chicago. Hein, on est d'accord. Chicago, bon, on part au basket il y a longtemps. Les Maple Leafs de Toronto, là. Ça craint. Ça craint, bordel. Let's start the game right now. Donc on est bleu. The Brave. Voilà, Toronto bien évidemment, équipe américaine, tout le monde le sait. Est-ce que je peux lui péter la gueule? Lui péter la gueule, bordel. Je peux pas pousser le gardien, moi ça m'arrangerait. ça m'arrangerait tellement. Mais tuez-le! Oh, bon gardien. Ah, il plonge lui, c'est un français. C'est un gardien de foot, ça. Il fait des folies. Mais casse-toi, c'est mon palais, bordel. C'est mon palais.
Oh, ça c'est pas sport ça. Ça c'est pas respectueux des grands-parents ça. Ça non. Faut que je trouve l'endroit qui fait que tu marques à chaque fois. Saurons-nous le retrouver? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah non, mais regarde, il suffit de bourriner à touche croix. Voilà, tout va bien. C'est les belles ambiances. Comment on met des. Ah putain, mon pas le plus vite. Mais non, mais mon golo ne marque pas de but. Je suis en train de regarder les touches. Ah oui, si mes adversaires sont en fauteuil roulant. Oh, il risquerait de gagner quand même. Il risquerait de gagner quand même. Merde, je croyais avoir la balle. Ça fait quoi cette touche, sérieux? Putain d'enfoiré. Oh, moi je voulais mettre des coups de poing et des coups de pied. Si au moins je peux gagner un combat à main nue, moi je valide. J'ai buté un mec au volet, c'est bon. Ouais, voilà, c'est comme à FIFA quoi. T'as le spot pour marquer un but. Non, mais je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est l'amener à gauche, faire une passe à droite et tirer. Tu vois. Tu vois les belles ambiances. Par exemple, je me mets là. Hop, j'y vais comme un fou. Donc là, il se met là du coup. La passe, le tir. On recommence. On recommence, je le sens bien. Je sens bien qu'il y a une feinte comme ça. Feinte à gauche, tir à droite. Ou feinte à droite, tir à gauche, évidemment. Ça marche dans les. Ça marche de partout. Ouais, je me mets là. Casse-toi. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Ouais, je me mets là. Hop. Feinte à gauche. Dans mon cul. Et tue-le! Voilà, pareil. Feinte, passe, tir. Ah, pas mal, pas mal. En tout cas, déjà, il fait les tirs réflexes. Ce qui est pas mal. Il y a le tir réflexe. Et ça, j'aime beaucoup, ça. Allez, c'est parti. Ils la veulent pas, là-bas, hein. Il se refuse à tout commentaire. Allez, on reprend. On l'amène là. La passe, le tir. Oh putain, ça marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Mais cassez-vous. Putain, mais on est si nul que ça. Tue-le. Voilà. Allez, on reprend. Hop, hop. La passe, le tir. Mais non! C'est la passe la plus merdique que j'ai jamais vue. Il se barre sans la balle. Il se barre sans le palais, mais quel con! Alors, ça, c'est nul. Alors ça c'est nul mes amis, mes amis. Mes amis, mes amours. Voilà. Voilà, là oui. Ah il est bon lui en plus. Hop hop. La passe, le tir. Mais merde. Oh, pas beau ça. Mais non, mais là, passe le tir, là. On n'est pas dans la merde. Me parle pas, toi. Non. Même pas un petit peu. Même pas du bout des lèvres. Tu oublies. Ils sont globophobes. Ils ont peur des objets sphériques. Bonne nuit, Max, des bisous. Voilà, je vais là, hop, je feinte, je fais la passe, je tire. De la merde. Putain, mais on est nul en défense.
C'est même pas qu'on est pas bon en défense, c'est qu'on est vraiment, on est pitoyable. Fait de la merde. Oh, mais comment je mets des cachous, moi? Attends. Le contrôleur, alors. Ah, je peux pas regarder. Ben va chier, merci beaucoup. Le 2-0. Le 2-0, génial. Jeu de merde. Moustachu sur 20. Maître Moustachio sur 20 même. Le jeu de merde. Putain, mais défendez, quoi. Ah, il m'a pris la balle. J'ai pas... Enfin, j'ai... Oh, les beaux sports, quoi. Oh, les sports de qualité, quoi. Ils sont en train de me ruiner. Salut Dreschlols, comment on va? Marque un but, suffira à valider le jeu. Non, faut que je gagne, non, pas de blague, faut que j'apprenne à jouer, c'est tout. En défense, je suis une merde. Là, on peut... Ça y est, je peux jouer là, putain, mais c'est une blague, quoi. Va chier des bulles. Allez Murphy. Putain, me laisse pas passer Murphy. Défends-toi bordel Murphy, voilà. Putain, on se gêne les uns les autres quoi. Gênez-vous les uns les autres bordel de merde. Ah, monsieur gros de touche. Ah oui. C'est quoi la touche pour mettre des cachous dans la tronche? C'est quoi la touche pour mettre des cachous dans sa gueule? Décède! Donne-moi ce palais, bordel! Donnez-moi ce palais! Quoi ce bordel? Ah, je suis très content, moi! C'est tout? Comment il fait pour me piquer la balle alors que moi je martèle la touche vol de balle et ça marche pas? Là, putain, mais bute-le! Petit stream ferait un gros débat. Qui c'est quoi? C'était quoi le débat? Quoi? C'est quoi? C'est apparemment tout le monde est au courant sauf moi. Qui se fout sur la tronche? À quel moment? Putain, mais comment je perds la balle? Putain, mais c'est n'importe quoi. Tue-le! Voilà. Ne dis rien. Ne dis rien, ça va m'énerver. Ne dis rien, ça va m'énerver. Ah, c'est moi où j'ai que la moitié du... Ah, mais oui, putain, c'est les débats à la con, là. Avec les enculés, qui va devenir le chef des enculés, quoi.
J'ai l'impression que ça marche pas mal, le passe-tir. Eh ouais, putain. Oh, ça va être chiant. Ça va être chiant, il va falloir voter qui est le moins enculé des enculés, quoi. Il y a une touche pour se casser la gueule. Oh, les belles ambiances. Il y a une touche pour se casser la gueule quand même. Faudra m'expliquer le concept. Y a pas de pénalty, y'a rien quoi. Ça ne marche pas le vol de. Voilà. Pff, ça servit à rien ce que j'ai fait. Ça a servi à rien, putain, mais tue-le! Oh, ce jeu est en train de m'énerver, quoi. Putain. Ah, quand c'est pas jouer à un jeu de sport. Hein. Oh, putain, mais les mecs. Non, mais ça me rend ouf! Ça me rend ouf! Les mecs, ils marquent de partout. 3-0. Ah c'est bon, tu peux, on peut, oui, on peut voter, éliminer. On peut oublier, quoi. Rage sur 20. Ah ouais, là, c'est en train de me faire péter un câble. J'aime pas du tout ne pas comprendre un jeu, quoi. Qui plus est, un jeu de... Alors, attends. Soyons malins. Le problème... Oui, bien sûr que, oui. Évidemment. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de mode option, je peux pas voir les touches. Donc je suis comme un véritable sac à merde. Plus tu réfléchis, moins t'es lucide. Ouais. On va reprendre les trois. Les Kings de Los Angeles, ouais, c'est ça. On va reprendre les trois. Bah. On avait réussi à marquer avec des trois, rappelons-nous. On avait mis des buts. On avait mis des buts. Tu comptes chercher mal le jeu? Oui, pourquoi pas. Sinon, je vais aller le prendre. Ne nous inquiétons pas. Je vais le récupérer, le manuel. Deux, trois. Allez. Detroit. Oui, je sais qui t'es. Je suis là. Très bien. Je regarde un truc vite fait. Damn, I'm good. Et merci pour Lost Nightmare, des bisous. Moult kiss. Allez, on y croit. Ouais. Gaz. Bienvenue les gens, bienvenue sur le marathon le plus déjanté du rétro gaming français. Enfin francophone même, n'ayons pas peur des mots. Allez, shoot. Faut que je trouve le spot. Quoi, il a sauté... Oh l'enculé, bien joué. Il l'a arrêté comme ça quoi. L'autre je balance un missile, l'autre il te l'arrête comme ça. Genre ouais mais c'est normal. On fait tous ça dans la famille. On arrête tous les balles. Enculé. Ouais. Ah putain dommage. Belle phase de jeu. Belle phase de jeu. Oh le sel. Ah bien joué, bien joué. Allez on le bute. On le bute. C'est
C'est salaud pour les Québécois, mais quoi, c'est vrai. Attends, c'est vrai. Ah, quel enfoiré. C'est pas salaud pour les Québécois, vu que du coup, je les inclus. On a des tas de viewers québécois. Ils sont super cool, en plus. Ils sont dans le top 2. Pourquoi le goal il s'est barré, on m'explique. Pourquoi le goal s'est barré, je... Oui. Bonjour. Enfoiré, ouais. Putain, mais il pique là-bas super facilement. Toi, t'es comme un con, essayer de la rodka, tu peux pas, quoi. C'est quelque chose que l'on pas, oui, c'est ça. Non, je veux pas jusque-là, moi. Je veux bien qu'on rigole, mais attention. Attention. C'est le... Putain, mais le goal, il est pourri, quoi. Ça, c'est le genre de but que je marquerai jamais, moi. Quoique. Faut que j'arrive dans l'angle. Tentons-le. Là. Ici. Non. Alors moi, c'est zéro, quoi. Moi, c'est zéro. Fleury. Viens là, Fleury. Mais prends la balle. Prends le palais, mon golo. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre le palais? Bientôt le cheat. C'est clair. C'est tellement pas clair, quoi, en fait. Voilà. Voilà. Encore une fois, ce n'est absolument pas clair. Je sais pas si j'ai fait poteau ou si c'est lui qui l'a arrêté. Voilà, c'est lui qui l'a arrêté quand même. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut marquer. Passe-tir. Passe-tir et tu baisses le goal. Parce que le goal est quand même bien sur le côté là. Et lui, il passe tout seul. Moi, quand je fais ça, je me fais défoncer par tout le monde. Et là, moi, mes persos, ils sont plutôt inoffensifs. Comment je mets des coups de poing? Moi, j'ai envie de mettre des coups de poing, bordel. C'est un peu le seul truc intéressant dans le hockey, quoi. C'est mettre des patates, quoi. Coup de poing. Mets-lui une patate, là, contre ta race. Une patate. Comment il a repris cette putain de balle? Si les règles sont pas trop dures, faut pas abuser non plus, quoi. C'est pas des règles en carton. C'est pas des règles en carton, faut pas déconner. Mais bon. Bon. Oh, je peux recommencer les matchs autant de fois que je veux. Les belles ambiances. Bon, ça va. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Ça va très bien se passer. Ah oui, le sel. Surtout que moi, c'est vraiment mon point faible. Hein. Les jeux de sport, je suis nul. J'ai jamais joué à aucun jeu de sport. J'ai dû jouer à ISS Pro 98. Grand maximum, quoi. Peut-être le seul jeu de sport que j'ai fait, si j'ai fait un NBA 2K aussi vite fait. Mais c'est tout, les jeux de sport. Allez, fais-moi rêver. J'aime chercher un petit café, non, un thé vert. Ça va me détendre. J'aime chercher un petit thé vert. Avec du sucre. Et pas trop de sel. Putain, mais quand t'es pas loin du boss, j'allais dire.
Ouais, bah PES, oui, ISS, pareil. PES, ISS. J'en ai fait quelques-uns, mais bon. De là à dire. Putain, mais. Il y a beaucoup de jeux de sport, si. Non, mais ça va faire comme. Comme Fisherman's Bait. Une fois que j'aurai compris comment on joue, après tu m'enverras les autres, ils vont glisser. Putain, le cadeau de départ d'Hyperion, bravo. Merci Hyperion. Et moi qui t'ai dit que je souhaitais le meilleur. Bah putain. Je. Bon. Putain, mais de base, ça se joue comme un FISA, donc ça doit être facile. Mais prends-le le palais! Mais quel capel, quel abruti! Mais quel abruti! Oh putain! Oui, il est parti pour du boulot et s'est installé dans un endroit où il n'y aura peut-être pas l'internet, ça va être le bordel. Oh, je pense qu'on le reverra de temps en temps, je m'inquiète pas trop. Mais Ah putain, mais je suis tellement énervé là! Le palais, il était là, le gardien n'a rien fait. Goalies automatique, oui. Mais bon. Oh le sel. Mais évidemment que tout le monde aurait rage quit, mais je suis le seul crétin à le faire ce jeu. Qui a eu l'idée de faire ce marathon? C'est moi donc, il faut. Il faut que j'assume tout simplement. Handisport, ouais, on est pas loin, ouais. T'as des bons souvenirs, on t'en parle, tu dis ah oui, excellent ce jeu. Et Théo, tu dis oh my god, c'est quoi ce jeu de merde? Oh, peut-être pas 80% des jeux, dont... mais bon, ouais, on va dire ouais, un jeu sur 3. 30%. 30% des jeux, c'est vrai que t'as de très très bons souvenirs, mais c'est juste injouable maintenant. Hyperion est devenu une légende, ouais. Ah, c'est un peu le mécène de la. C'est un peu le mécène de l'émission, c'est un peu le mécène du stream. Sans lui, pas de marathon. C'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier, quoi. Qui m'a fait comprendre que ça pouvait plaire. Et que ça pouvait rapporter du fric. Du fric. Quel boss de. Mais quel goal à la con. Putain, mais tue-le, quoi. Mauvaise 3D, la PS1, mais carrément, quoi. Enfin, première 3D, donc forcément. Comme tous les débuts. En fait, j'ai marqué au hasard au début du jeu. C'était vraiment la chance du débutant. Oh, j'en ai tué un. Les belles ambiances. Putain, mais je sers à rien. Ce bruit de palais, ça a l'air d'être déstressant. Sauf que quand tu te rends compte que tu joues à ça, tu... Tu restresses d'un coup. Allez! Salaud! Je te la mets dans le cul, je la mets dans le cul, je la mets dans le cul. Oh, tu parles mal. Ah! Il y a une touche pour glisser, pour se casser la gueule comme un blé. Ah! Oh, j'ai une bonne idée. Oh, l'idée de merde! Oh, l'idée de merde! Si je peux marquer comme ça, je suis complètement refait. Donne-moi ça, voilà. Ça ne marche pas. Dans le cul Lulu. Une Lulu de 13. C'est comme une clé à pipe, mais avec un prénom. Allez, fais-moi rêver. Dallas, ton univers un peu pitoyable. Oh l'enculé. Putain mais. Mais il vole les balles tellement facilement. Puis il marque tellement facilement que c'en est rageant quoi. T'es là, toi tu martèles les tirs et tout et compagnie. Lui non il la pousse. C'est genre. But. Cherche pas. Cherche pas ta tort. Ça fait quoi, rond? Ah oui, non, c'est tir, rond, bien sûr.
passoire sur 20, mais c'est clair, quoi. Tu m'étonnes qu'il soit troisième en défense. En fait, c'est juste un goal à la con. Ah, c'est rond pour mettre des patates. C'est bon. C'est bon, je vais gagner. Je vais leur, mettre des patates de forain de longue. Allez, viens là. Allez, donne-moi la balle. Donne-moi la balle. Ah, je pousse tout le monde, moi. Je pousse tout le monde, j'en ai rien à foutre. Moi, je vous baisse tous, moi. Jean Dylan du 13, ok. Tu prends les meilleurs en défense. Mais non, mais c'est pareil, ça changera rien. Parce que le but, c'est de marquer. Hein. 0-0, c'est pas gagné, quoi. Mais c'est horrible parce que tue-le. Yo Callaghan, comment on va? Mais tuez-le. Yo sniper, snipe à qui là? C'est quoi le prochain jeu du coup? C'est International Track and Field. C'est un track and field. Donc on va marteler de la touche. On va y avoir du sel aussi. Il va y avoir beaucoup de sel ce soir. Je vous le dis. Soirée salée, hein. Salty night. Putain, mais s'il marque comme ça, je crois que je pète un câble. Passe-toi. Le titre n'a pas changé. Si, si, on est sur NHL 97. Si, si, j'ai changé le titre. Putain, mais comment il marque? Comment il marque aussi facilement? Ça me... Mon goal, c'est de la merde. Ah, mais International Track and Field, je connais très bien. J'ai même une passion pour ces jeux de merde parce que j'ai acheté les jeux Sega sur PS3 et compagnie là pour péter les manettes. Ça va, écoute, je te remercie. Un petit peu de sel, mais ça va. Je vous laisse avec ce délicieux son, je reviens. Je vais me chercher un petit café ou un thé vert. Enfin, un truc petit qui détend. Respire, ma douce, respire. Ça va très bien se passer. Allez, à de suite. Puis, je vais enfiler aussi un petit jogging parce que le jean. Quand tu as du sel, c'est chiant. Le jean, quand tu veux faire ça et tout, là, tu t'es pas bien. Ouais, non, j'ai changé, j'ai mis le 40e jeu. 40e jeu, les gars. 40e jeu.